Bon, eh bien, ici, si tu veux, c'est une bergerie avec des chèvres. Hein, nous faisons partie d'une association qui s'appelle Cajou-Casale, dont on a des chèvres de type corse. Le produit que nous faisons, c'est un produit qui de Calenzane, hein, fromage vieux de Calenzane, qui est un fromage qui remonte à la nuit des temps, quelque part. Il y a eu des études qui ont été faites par une université, je ne sais plus si c'est Dunkerque ou Lille ou un truc comme ça. Et ils ont découvert qu'au départ, ils avaient mis les caves au nord et après les maisons dessus. Donc ça remonte très très loin. C'est un fromage qui a pâte lavée, qui reste blanc. Est très très crémeux, très souple, voilà, et qui est piquant, qui commence à être piquant à partir de 5-6 mois, et on va jusqu'à un an. Ce que j'aimerais un jour, c'est de faire analyser le fromage pour savoir les teneurs qui ressortent de ces plantes qu'elle mange, parce que tu sais très bien que tout mammifère, tout qui va manger, ça passe par le lait. Et par le lait, elle nourrit la bête, mais nous, on est ceux qui font les fromages, donc il y a plein de parfums. Comme je disais tout à l'heure, tu vas voir à qui va trouver le bois, parce qu'il est dans le bois, à qui va sentir un fruit, la bergerie, l'odeur de la bergerie, l'odeur de la chèvre. Ça te sort plein de trucs. Bah, on y est là. Là, on est là. Mais alors celui-là, tu vois. Là, ça va être une autre salade. Larmes qui risquent de venir. Hein? Confiture avec. Ça commence à tourner dans le palais. Mais regarde, tu vois. Hop, d'autres choses qui arrivent. Tac, 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 tac. Et voilà, tout s'estompe. Ça s'estompe après. Tu vois? Et là, tu as les parfums qui arrivent. Et encore, pop, encore un petit piquant, tiens, au fond de la gorge qui remonte. C'est fou, hein? Ils ont fait un produit, ces gens-là, extraordinaire. Il faut pas le perdre, bordel. Je suis là pour déjà, une, assouvir sa passion. Deux, bien redonner un blason à ce fromage qui a fait vivre beaucoup de gens au village. Il y en a qui se sont enrichis, il y en a qui ont mis un peu plus dans leur portefeuille, dans leur porte-monnaie, parce que si tu veux, cette méthode d'affinage était surtout les femmes qui faisaient ce travail. Donc je veux leur rendre hommage. Hein, à ces femmes qui ont beaucoup travaillé, parce qu'elles n'avaient pas que ça. Hein. Elles avaient le mari, les marmots, le machin, le ci, le là. Et donc, je fais tout pour pas que ce fromage se perde. Voilà. Ce que je peux dire de plus. Bon, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de travailler sur ce projet d'étude d'affinoir. On a rencontré pas mal de jeunes aussi qui s'installaient, et par rapport à leur possibilité d'investir dans des fromageries lourdes,
Hein, uniquement avec cet affinoir, ça permettrait des jeunes de s'installer avec un minimum d'investissement. Par la suite, s'ils voudront mettre une pièce pour affiner eux-mêmes ou quoi, bon, ça, ce sera leur problème. Mais disons qu'au départ, ces jeunes-là, et on est tombé sur deux, trois jeunes qui disaient, oui, moi, nous, on a des difficultés à l'heure actuelle. On est obligé de vendre notre lait parce qu'on n'a pas la possibilité, on n'a pas les finances pour pouvoir créer une fromagerie, tant soit peu, aux normes simples. Hein, après, la question qui va se poser aussi, c'est dès lors qu'on va passer le cap du projet sur le papier, mais de la concrétisation avec de l'autofinancement. L'autofinancement se posera quoi qu'il en soit. Est-ce que les gens vont croire au projet au point de peut-être de participer financièrement à ce projet-là? Donc cet affinoir, eh bien, il a mûri. On a fait des réunions, on est allé voir, on a fait des réunions en mairie avec des bergers. On a vu une mairie, Calenzane, monsieur le maire, qui a accepté. Qui a accepté plus ou moins de vouloir faire cet affinoir. Donc ça remonte quand même 5-6 ans hein, en tout. Je crois que c'est pas fini, mais bon, c'est en bonne voie. Et nous avons proposé ces idées à l'Audarc. Donc qui s'en occupe à l'heure actuelle, c'est Marie-Pierre Bianchini et Ange Bianchini. Et on lui a demandé s'il y avait une possibilité de faire quelque chose avec l'Audarc et tout. Et là, carrément à fond avec nous, en disant, bon, mais en plus, je pense qu'au niveau des institutions, c'est plus important pour eux d'avoir une grosse structure que des individuels. Financer des individuels qui peut-être ne tiendront pas la route tout le temps parce que, bon, berger, c'est un beau métier, mais pour y vivre, c'est pas évident. Avec l'Audarc, ce qui a été, disons, créé, qui va être créé et voulu, c'est une vitrine en Balagne. Et je pense que c'est la première qui sera faite en Corse et qu'il y aura beaucoup d'autres derrière nous. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose, je pense que au niveau économique, ça se fera. Là, je suis disons, au niveau géographiquement, par rapport à l'aire géographique, ben, j'ai opté, nous avons opté, pas ben, je sais, mais c'est vrai, c'est je. Avec la commune, nous sommes en discussion avec la commune de Montegrosse, qui est en plaine, qui n'est pas loin de la nationale. Donc au niveau des arrivages de fromage et ainsi de suite, ce sera beaucoup plus facile que de monter au village de Calenzane. Mais ça n'empêche pas que ça, c'est quand même la méthode calenzanaise. Donc Jean-Louis, tu étais venu me voir il y a quelque temps là, pour ton projet d'affinoir. Tu m'avais laissé d'ailleurs un dossier pour voir un peu si la commune de Montegrosse pouvait mettre à disposition un terrain pour y implanter justement cet affinoir. Donc où en est un peu le projet là, si tu sais? Ben, si tu veux, le projet à l'heure actuelle, ben, il avance de plus en plus. Hein. L'Audarc avait fait un appel d'offres sur... Donc pour cette étude, disons que l'Audarc, il est à fond avec nous. Hein, et comme j'étais venu te voir pour te dire que... Donc, bah, si ça t'intéressait le Oui, non, bien sûr. Donc l'affinoir, pour le moment, c'est bon pour remettre au goût du jour, je dirais, le fromage de Calenzane. Pour voilà, faire c'est un affinoir surtout ça. Du fromage du Calenzane, tel qu'on l'a connu, nous, dans le passé. Donc ce fameux fromage de Calenzane... qui était connu, pour ainsi dire, presque dans le monde entier, Et qui a aujourd'hui pratiquement disparu, à part... deux ou trois qui continuent. Méthode calenzanaise. Voilà. Mais ça serait bien donc de relancer la fabrication de ce fromage, hein, parce que... Ben oui, de toute façon, c'est le fait
si tu veux aussi de remettre, si tu veux, sur les rails ce fromage, comme tu dis, qui est depuis des lustres, hein, et qui a fait vivre beaucoup de familles. Exactement. Et donc ce projet, ben, c'est un petit peu aussi ce que tu m'as dit pour d'en faire une vitrine, une vitrine dans la Balagne. Hein. Ouais. Et donc, bon, ben, si tu veux, géographiquement, par rapport à disons, où ta commune et où tu te trouves, c'est assez central. C'est presque central. Calvi, tous les villages à Venise, non, mais surtout, c'est pas loin de. Enfin, disons que c'est plus près, Valandy-le-Rousse, parce que bon, je pense qu'il y aura pas mal de bergers qui sont sur la Balanine, ainsi de suite, et bon, le Filazorme, ainsi de suite, et donc c'est quand même une plaque tournante. Et c'est aussi. Voilà. Mais j'ai vu là, que dans le projet, il y a aussi la création d'un musée, donc d'un musée de l'affinage, donc pour pouvoir retracer, tu veux, un petit peu, pour retracer un petit peu tout l'historique du fromage de Calenzane, pour aussi, eh bien, faire savoir tout aux touristes qui viennent chez nous voir, hein, qu'on n'a pas. On n'a pas que du maquis, y a eu des productions. Et alors, je me suis posé la question, justement, en regardant le projet, en l'étudiant un peu comme ça, mais est-ce qu'il ne serait pas possible, par la suite, d'y ajouter peut-être d'autres activités agroalimentaires, agro-pastorales, telles que, par exemple, le miel, telles que, par exemple, la charcuterie, pour essayer d'élargir déjà... De faire plutôt la compétence de cette structure pour pouvoir éventuellement... Disons, déjà au niveau touristique, de faire venir les touristes, déjà ça sera quelque chose d'un plus dans la Balagne. Et en plus, comme tu as dit, faire une vitrine dans la Balagne et tout ce qui peut se greffer économiquement au niveau. À la limite, aider d'autres producteurs que de fromage à écouler leur production. Ah oui, après, si tu veux, cet affinoir, ce sera la pièce maîtresse. Et puis après, on peut moduler d'autres choses. Toujours en restant dans le domaine, je dirais, de l'agriculture, de l'agro, vu que c'est une structure qui a trait à l'agriculture, je pense que là, on pourra trouver assez facilement, la possibilité de l'implanter, même dans les terrains agricoles. Donc, on a déjà réfléchi un peu à ce genre d'implantation, ces terrains, donc... On y travaille. Bon, en même temps, on a lancé le PLU. J'espère pouvoir te donner satisfaction assez rapidement parce que, bon, nous aussi, commune, ça nous intéresse, une telle structure, donc d'être partenaire, je dirais, d'une telle structure. Hein. Donc, on essaie... C'est plus que partenaire, ce sera toi le porteur de projet. Oui, entre autres, bon, je pense avec le DARC, puisque c'est quand même le principal financeur dans le projet. Hein, donc... On espère bien trouver, disons, en partie basse, parce que c'est là aussi qu'on sera au plus proche des consommateurs et des clients, aussi bien pour la visite du musée que pour la commercialisation des produits. Si tu veux, il y aura ce musée, il y aura visite aussi. Bon, qui sera payante, hein, de la manière dont c'est fabriqué, de visiter des caves. Il y aura des vitres pour voir l'affinoir et ainsi de suite. Les gens sont curieux, les gens sont curieux de tout, hein, ils veulent savoir un peu comment se passe la préparation. Et puis, si tu veux, bon, il y a quand même beaucoup de bergers qui sont intéressés par ça. J'espère bien, parce que bon, actuellement, je pense que la plupart ont quand même du mal à. À tout faire, hein, je veux dire, aussi bien à fabriquer, à s'occuper de leurs troupeaux, à affiner, à commercialiser, ça fait beaucoup. Voilà. Ça et fait puis beaucoup surtout, pour eux, surtout parce que... ceux qui font cette méthode-là, c'est qu'au niveau trésorerie, c'est très lourd. Si tu veux, le berger qui va s'installer, le jeune berger, ou le berger qui vend son lait, ben, il pourra uniquement faire un sas d'entrée, une pièce de fabrication. Et il sera. Et après, il porte son fromage à la finale. Donc, il ne fait que la fabrication. Donc, il n'est pas obligé d'avoir un investissement très lourd, comme c'est le cas actuellement. Puis, ça peut inciter d'autres personnes. Et je pense que, vu les terres incultes que nous avons, ça peut redevenir
quelque chose de plus dynamique et disons un couple ou un foyer, il pourra vivre un peu plus décemment que ce qui. Mais écoute, nous on va continuer à travailler là-dessus pour faire en sorte de trouver le terrain idéal pour accueillir ce genre de structure et puis pour faire en sorte aussi que ce projet devienne réalité. Moi, je veux bien voir réussir ce genre de projet, ça c'est sûr. Hein. J'ai toujours voulu découvrir comment les gens vivaient. Moi, le voyage chez moi, c'était comme le Globetrotter, hein. C'était le sac à dos. J'avais quoi ? Un pantalon, des Clarks, pour marcher un peu, dans les endroits scabreux, dans les montagnes, des trucs comme ça. Une paire de tongs, marcher pieds nus, un sarong, je vivais comme eux, je mangeais comme eux. Voilà, donc tout le long de mes voyages, quand tu vis avec l'habitant, tu apprends beaucoup de choses, tu vois beaucoup de choses. Et puis bon, j'étais là aussi un observateur. Hein. Pour moi, si tu veux, lorsque j'ai dit je vais voyager, c'est pas dans les palaces, c'est pas les machins, c'est pas les ci, c'est pas les là. C'est d'apprendre, de voir comment dans d'autres pays ils vivaient, comment leur religion, leur tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc après je suis parti visiter l'Australie, je suis parti dans le nord, je suis parti de. Dans la bouche, j'ai vécu dans la bouche, j'ai vécu avec eux. Et c'est des gens qui sont extraordinaires. C'est pas parce qu'ils sont, moitié nus, qu'ils marchent pieds nus. Ils ont une médecine, ils ont un savoir-vivre. Et puis, ma foi, ce qui m'a fait beaucoup réaliser, c'est que. Et qu'ils te disent aussi. Déjà, on ne verra jamais un coffre-fort suivre un corbillard. Déjà, quand tu apprends ça, tu te dis, tiens, pas mal. Hein? Après, on te dit, tu sais, sur Terre, tu es venu pour voir, pour apprendre, et puis pour partir, pour mieux revenir. Déjà là, tu te rentres dans des trucs... Moi, ça m'a pas, ça me choquait pas. Ça m'a pas choqué, ça me, parce que si tu veux, il y avait une osmose qui passait. Tout mon périple, qui a duré 2 ans, était, je vivais avec les gens. Et comme je t'ai dit, après, j'ai vécu avec des vraiment dans la montagne, avec les méos. J'ai appris comment fonctionnaient les états. Tous ces savoirs, malheureusement, ils disparaissent de plus en plus. Et c'est pour ça, comme tu dis, au niveau de l'affinage, on va essayer de recruter des bergers, c'est-à-dire... Les marques, les savoir-faire. Voilà. Et surtout, au niveau aussi du cahier des charges, que ce fromage soit tous, pas comme tu dis, qu'il ne soit pas de 3 mois, qu'il ne soit pas trop salé. Et de surcroît, c'est que, on va le... On va l'exporter. Ah oui, on va lui donner de la valeur, on va le valoriser. Voilà. Au niveau de la jeunesse, ça m'a. Au niveau des élections, j'ai été heureux d'avoir toute cette jeunesse. Et cette jeunesse, je crois qu'elle en a marre de cet assistanat de merde. Et qu'elles ont envie de faire quelque chose, de créer quelque chose et de vivre. Sur cette terre, même si on galère un peu, voilà quoi. Bon, c'est pas nécessaire aussi de rester fermé, de pas voir ailleurs. Hein. Aussi, ça ouvre des portes et des esprits. Mais bon, disons que on a un potentiel, et je crois que si nos politiciens jouent le jeu vraiment, on n'aura plus besoin d'aller au chômage, hein. Et l'hiver, je crois qu'il y aura du travail. Je ne suis pas défaitiste sur la jeunesse.
Comme certains disent, oui, ils ne veulent pas travailler, machin, machin. Non, moi, je ne crois pas. Je pense que la jeunesse est en train de... Il y a un tournant. On ne peut plus leur faire avaler ce que d'autres ont voulu. Je dis bien voulu avaler. Hein. Et je crois que, bon, il y a des jeunes qui veulent faire quelque chose de positif. Il y a une prise de conscience, je trouve. On l'a vu en politique. Hein. Basta, hein, ça suffit. Déjà, je suis impliqué en tant qu'éleveur et producteur fermier. Ça, c'est la première chose. Hein. Et puis ensuite, moi, quand je me suis installé, il n'y avait rien. Je n'avais pas de fromagerie, j'avais rien, j'ai tout fait. Et maintenant, c'est vrai que pour les jeunes, pour qu'ils s'installent, c'est de plus en plus dur. Au niveau des dossiers au DARC, c'est de plus en plus difficile, beaucoup de paperasse. Les subventions ont tendance à diminuer. Donc, ce serait bien qu'ils aient déjà, lorsqu'ils s'installent, un outil pour pouvoir de faire en sorte qu'ils fabriquent tranquillement leur fromage. Ils savent qu'à la sortie, bon, si ça fonctionne, si le projet aboutit, j'espère, qu'ils aient quelque chose, hein, un outil de commercialisation, une charge de travail à moins. Hein. C'est vrai, il y a plein de possibilités, de facilités, disons entre parenthèses, facilités, comme il dit, si ça se réalise. C'est que, bon, au niveau des investissements, ben, ça va être moins lourd pour les jeunes qui s'installent. Parce que, bon, s'ils vont voir les banques, hein, bonjour les dégâts. En tant qu'ancien banquier. Je savais que tu allais sortir, ce genre. Non, mais c'est vrai, non, mais on est moi c'est pareil, attends, je suis ancien restaurateur et on est amoureux de ce métier, enfin moi juste, ça fait longtemps que je voulais faire le berger et tout, et c'est un métier extraordinaire. Quoi. On s'investit quand même là-dedans. Et non, il faut, hein, voilà. De toute façon. C'est beaucoup plus, mais disons que Jean-Christophe aussi, ça fait longtemps que... qui a l'idée de la finoire, de trucs aussi. Il est à ligne, il est à la création et à la pensée aussi de la finoire. Hein. C'est-à-dire que le problème que nous avons maintenant, il n'y a plus d'affineurs. Avant, c'était les affineurs qui achetaient le fromage au berger et qui l'affinaient eux-mêmes, mais ils ne faisaient que ça. C'était les femmes qui s'en occupaient la nuit et tout. Maintenant, nous, on a trop de charges de travail sur l'exploitation. Il faut, avec les fromageries aux normes européennes... Il faut être constamment en alerte pour le sanitaire. Ensuite, il y a beaucoup de paperasse. Après, il y a le travail des champs, le girobroyage. Donc, le fromage de Calenzane demande beaucoup de travail. Donc, et avec cette charge de travail que nous avons, on ne peut pas faire une grosse quantité. On est obligé de... Moi, j'en vends beaucoup en frais. Pourquoi ? Pour m'alléger le travail. Bon, d'abord, pour la trésorerie. Et ensuite, pour m'alléger un peu le travail. Et c'est sûr que demain, s'il y a un affinoir collectif, on pourra répondre à la demande. Parce qu'il y a de la demande. Il y a de la demande. Et le fromage, il est connu, mais je pense qu'il peut être encore plus connu, parce qu'il est vraiment c'est un fromage qui est vraiment particulier, il a un affinage vraiment particulier, qui se démarque des autres fromages. Ah, c'est Calenzane. C'est le travail de... Est-ce que tu m'as posé la question de perpétuer un savoir ? Ben, il est là. Et j'espère qu'il... Vitam aeternam. Parce que tu ne trouveras jamais un fromage au monde comme ça. Voilà, on a un savoir-faire. Je ne me jette pas des fleurs. Hein. C'est la méthode Calenzane, attention, ce n'est pas nous. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai été affineur, donc j'ai appris. Et puis quand on aime... On fait les choses avec le cœur et avec amour, n'est-ce pas? Voilà ce que nous sort. Parce que c'est ça, là. C'est madame. Il y a les chèvres. Moi, je fabrique. D'accord? Je fabrique parce que sinon, elle ne pourrait pas tenir le choc toute seule. Je fabrique et je l'aide. Hein. Mais l'affinage, c'est... Je lui ai transmis ce savoir, voilà. Et je crois que... Sans prétention, ça me fait chier un peu, mais bon. L'élève est en train de dépasser le maître.